Wilde, l'opéra, est né à partir de l'œuvre de théâtre Wilde d'Hermann Mittentraugen de Handel Klaus. C'est en 2010 en fait que Peter Oswald nous a présenté, Klaus et moi. Et nous avons tout de suite démarré une espèce de. C'était très tard la nuit dans le festival de Peter Oswald aux Alpes, dans un petit village styrien aux Alpes, qu'on a commencé à rêver d'un nouveau opéra à faire ensemble, comme ça. Et peu à peu, j'ai tombé en fait amoureux de cette pièce de théâtre de Wilde, qui est dédiée d'ailleurs à Peter Oswald. Une espèce de pièce très mystérieuse. Gunther, c'est le médecin sans frontières qui a une espèce de traumatisation, une espèce de choc. En Moldavie, il aide les prisonniers d'une prison, il soigne les prisonniers de la tuberculose et tout. Mais il part à nouveau dans son village en Allemagne natale, c'est un village en Vendée bien sûr, Blaibach. Et il se trompe de station de train, de gare. Il descend la gare d'avant, dans un village apparemment désertique. Et là, il se trouve deux frères très bizarres, comme qui peu à peu le trompent pour aller à la maison, à connaître ses sœurs. Quand je lui dis Klaus, j'adore d'Hermann Mittentraugen, j'adore cette histoire, j'aimerais faire un opéra sur ça. Il dit, ok, allons-y. En fait, c'était un peu son rêve aussi. Cette pièce a été représentée dans une dizaine de pays différents, dans beaucoup de traductions. Mais il a dit, non, je souhaitais aussi faire un opéra sur ça. Alors, ça voulait dire réduire beaucoup la longueur du texte, être beaucoup plus condensé à niveau d'expressivité aussi. On a décidé de rajouter deux personnages féminins. À l'origine, il y avait Hedy, maintenant il y a aussi Angela Iris. Ça m'a donné aussi l'expansion vocale de voix de femme, de soprano coloratura Iris, déjà le nom, Iridescence, c'est déjà ça. Et Angela, elle est obscure, c'est un personnage obscur, mezzo-soprano, presque contralto. Jenny Kallstadt, c'est ça, et Susan Hellmark chante les coloratura dans l'opéra. Alors Klaus a complètement réécrit. En fait, si on compare le livret de Wilde et le livret de la pièce de théâtre initiale, on n'a presque rien à voir. C'est une histoire un peu sur la perte d'identité de ces docteurs. En fait, c'est un peu toxique. Ces frères à flics sont très toxiques. Et c'est la musique qui est toxique dans cet opéra. La toxicité d'une espèce d'harmonie permanente. J'ai la harpe aussi, le vibra, qui mélange des harmonies des cordes jouées avec des flageolets, de jeux de glissando, d'harmonique. Il y a un peu l'idée de toxicité, de maladie, non? Tout l'opéra, c'est un docteur, un médecin sans frontières. Il soigne des malades, mais il devient malade en même temps, non? C'est un opéra assez différent des autres que j'ai fait, surtout avec Marin Diye. Le style littéraire est complètement opposé à Marin Diye. Ça m'a aussi aidé à trouver d'autres ressources musicales. Il y a des choses bizarres qui se passent, mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Alors ça me donne beaucoup de place à l'imaginaire orchestral, à l'imaginaire émotionnel dans l'opéra, non? Qui aussi, comme toujours, un peu chez ma musique dramatique, mélange des harmonies très très inharmoniques, on dirait, très complexes, avec même des accords triadiques, très simples, non? Ou très, très purs. J'ai besoin de toute cette palette spectrale, harmonique, on dirait, je sais pas, parce que pour moi les harmonies aussi sont des couleurs et des gestes en même temps, d'évolution, de densité sonore dans les temps, non? Tout est mélangé. C'est un texte très très différent d'autres opéras parce que c'est un texte très dialogué. Wilde, c'est aussi une pièce sur les langages, sur la contamination du langage, sur la dégradation de la langue, même parler, non? Parler et chanter dans ces cas-là. Et alors c'est un texte très très dialogué. Parfois, chaque personnage chante une seule parole. Parfois, les paroles se combinent pour tisser de phrases. Et c'est presque comme une espèce de serpente à trois têtes, ou à six têtes. Parfois, dans le troisième acte, il chante très souvent cinq, six personnages en même temps. Non? Mais ce n'est pas un oratorio, c'est toujours très, très serpentueux. Non? Et je lui demandais surtout de me garder de textes assez longs, un minimum pour chaque personnage féminin, et Gunther aussi, comme aria, comme moment de développement, épanouissement de la voix chantée en tant que
langage plus proche de l'aria. Wilde, c'est un opéra où j'ai aussi finalement fait des citations d'autres compositeurs, mais plutôt penché sur le XXe siècle. C'est un peu ma façon de me rapprocher à mon opéra préféré du XXe siècle, c'est Wozzeck en fait. Ma façon de me rapprocher aussi à des opéras que j'adore, qui m'ont beaucoup marqué, comme Die Soldaten de Zimmermann, que j'ai vu à Munich en mai dernier. Et aussi, bien sûr, quand on pense à des sauvages, on pense à Le Sacre du Printemps. Non? Alors je cite des aspects pas tellement littéraux, mais il y a, c'est un certain hommage, un rapprochement que je fais à la musique du XXe siècle. Les voix sont très tissées, très théâtrales, sont pas tellement arioses, pas tellement... Il y a des mélismes aussi, comme chez les baroques, parce que ça m'a marqué, le langage de frères Flick, des deux hommes, de contre-ténor et de ténor, haute contre, sont très très baroques, baroqueux, de très, très, mais pas du tout avec une référence directe à la musique baroque. C'est plutôt une espèce d'exploration libre dans mon langage, de ces mélismes vocaux, de petits brodés, de presque maniériste, oui. Et l'orchestre les accompagne aussi d'une façon très délicate. Wilde, la pièce sauvage, c'est par eux, par ses frères Flick, qui s'appellent comme ça. Ils sont des sauvages. Et par contre, les contrastes que je voulais explorer, c'est avec la brutalité presque pectorale, on dirait gutturale, pectorale, des impacts de Gunther. Alors pour ça, par exemple, j'ai prévu des orchestrations avec beaucoup de percus, des pots, de grosses caisses, pas de timpani, mais avec des tombes, de grosses caisses, contrastées avec des accords très souples aux cordes, comme de voiles de sonorité. Et sa voix-là, elle est dépouillée au milieu de ça. Par contre, les frères Flick, dans les deux premiers actes, sont accompagnés par des mélismes aussi, dans les piccolos, la flûte, les hautbois, ils colorent beaucoup les voix de ces hommes aigus. Non? J'ai deux hautbois là qui sont très actifs dans ces sens. Les bassons aussi, les bassons. Par contre, la clarinette basse, j'ai beaucoup exploré là un langage qui colle à la majeure, on dirait au personnage de Gunther, médecin sans frontières, jeune, très courageux, mais brisé intérieurement par des expériences horribles et par sa voix. Alors là, la clarinette basse, elle est plutôt attachée à ces personnages. Non? Cet opéra, c'est un peu comme l'histoire d'un beau oiseau, un petit oiseau qui a l'aile abîmée, qui est finalement emprisonné dans une cage, non? Par des forces un peu terribles, mystérieuses, mais aussi très humaines. Non? Les cordes, au début de tous les premiers actes, sont assez souples, assez longues, de longues notes, d'exploration de couleurs dans des longues notes, de vibrations. C'est un peu un mont vibrant, mais pas trop articulé. Et peu à peu, les cordes commencent à agir. Comme les cordes, c'est les vrais noyaux de matière sonore dans l'orchestre classique, par exemple, non? Et je me rends compte au troisième acte, les cordes sont déjà explosées. Elles explosent, elles interfèrent beaucoup plus avec le langage des cuivres, l'harmonie des cuivres et les percussions aussi. Alors peu à peu, c'est comme une espèce d'explosion d'une certaine férocité, d'une certaine esprit sauvage qu'on a à l'intérieur.